tous. Aujourd'hui, je dédicace cette vidéo à toutes les débutantes qui sont abonnées à la chaîne ainsi qu'à toutes celles qui me suivent sur ma page Facebook. Je dédicace cette vidéo à Fabienne qui se reconnaîtra et à toutes les débutantes. Aujourd'hui, je vais vous enseigner à faire, à réaliser tous les points de base pour vous entraîner et pour arriver à suivre facilement tous les autres tutoriels de la chaîne Zaza Crochet. Alors pour cela, c'est facile. Vous allez prendre n'importe quelle laine. Moi, j'ai choisi une laine assez grosse. Et je vais vous apprendre, je vais vous le montrer avec un crochet numéro 5, qui est un crochet assez gros pour que tout le monde puisse bien voir les points. Alors, pour commencer, nous allons réaliser un nœud coulant. À chaque départ de vêtements au crochet ou d'accessoires, vous allez toujours démarrer par un nœud coulant. Alors, il y a deux façons de le réaliser. Voilà, file du début de la pelote vers soi, la pelote vers l'extérieur, vous allez voilà, maintenir le fil dans votre main, prendre le crochet, pousser vers l'extérieur, tourner une fois vers vous et vous retrouvez comme ceci. Et ici, vous n'avez plus qu'à faire un jeté et rentrer le fil, passer le fil dans la boucle qui vient de se faire. Et vous tirez. Voilà, votre nœud coulant est fait. Je vous remontre. J'ai le fil court, le début de la pelote ici, le fil de la pelote vers l'extérieur de ce côté. Je prends le crochet, je pousse le fil vers l'extérieur, je fais un tour à droite. Je ramène le tout vers moi et je fais un jeté et je ramène ce fil dans la boucle qui vient de se faire. Alors une petite astuce, quand vous faites ce tour, quand vous tournez votre crochet, que vous ramenez le jeté dans la boucle, ne serrez pas la boucle du départ. Alors je vous remontre, ne serrez pas. Voilà, quand vous faites ce tour une fois, deux fois, voilà, ne serrez pas ici. Laissez-le plutôt lâche, vous voyez. Si je serre ici, je n'arriverai pas tout à l'heure à passer, voilà, je n'y arriverai pas. Donc, lâchez, voilà, desserrez, et tranquillement, vous faites votre jeté et vous passez votre fil dans la boucle. Et vous tirez, et votre premier nœud coulant est fait. Le premier départ, voilà, le premier point de départ est fait. Alors, je dis toujours, je répète toujours aux débutantes ou même aux expertes, ne serrez pas trop vos points parce qu'après, ça va faire limite froncée, je le vois souvent. Et c'est pas très très joli, donc ne serrez pas. Tricotez, crochetez souple. En plus, nous sommes là pour se détendre, donc on n'a pas de crispation quand on crochète ou quand on tricote. Hein. Alors, maintenant la deuxième façon de faire le nœud coulant, enfin en tout cas, c'est la façon que je préfère aussi. Vous allez prendre toujours pareil, le fil le plus court vers vous et le fil le plus long vers l'extérieur. Vous allez tenir avec votre pouce ce fil. Vous allez faire une boucle autour de vos doigts, comme ceci. Vous allez tourner une fois. Vous allez prendre votre crochet, vous allez passer en dessous la première boucle, attraper la deuxième et ramener la boucle ici et vous tirez. Voilà, vous tirez et votre nœud coulant est fait. Je recommence. Alors, regardez bien lentement. Donc, fil court
et vers moi, ici. File de la pelote vers l'extérieur, par là. Donc, je forme une boucle. Je tiens avec mon pouce le fil et je vais entourer mes deux doigts une fois. Voilà, je tourne mes doigts. Je le tiens avec l'auriculaire. Et là, je n'ai plus qu'à prendre le crochet, aller chercher ce fil qui est ici et le ramener à l'intérieur. Voilà, cela forme une boucle. Et là, vous enlevez vos doigts de la boucle du dessous et vous tirez. Et vous avez votre nœud coulant. Voilà, une dernière fois. C'est un peu le même principe pour l'anneau magique. Je vais vous montrer ça. Donc, de nouveau, on coince le fil avec le pouce. On enroule une fois. Voilà. Et quand on enroule, on met le fil vers l'extérieur. Voilà, comme ça, on ne se trompe pas. Et là, c'est simple. Vous passez votre crochet en dessous. Vous ne serrez pas trop cette boucle, elle doit juste être maintenue. Vous attrapez le fil par-dessous, vous tirez et vous lâchez tout, regardez. Votre nœud coulant est fait. Vous tirez et vous commencez votre maille de vos chaînettes de base. Alors, comment on fait un anneau magique? Alors, moi je le fais de la même façon que je fais mon nœud coulant. Alors, vous allez faire pareil, je tiens mon fil avec mon pouce, j'enroule le fil autour de mes deux doigts et je mets le fil vers l'extérieur, vers là. Ok, jusque là on est bon. Après, bah pareil, je prends le crochet, je vais chercher le fil de l'extérieur, je le ramène dedans. Ok. Et là, je lève mes doigts, ce qui vous donne ceci. Voilà. Et là, donc là, c'est important de laisser toujours ce fil. Par contre, quand on fait une magique, assez long pour pas, après, en faisant les points ici, se retrouver avec le fil qui part et qui se défait. Voilà, là, j'ai trop tiré. Un exemple de à ne pas faire. Je recommence. Donc j'enroule mes deux doigts avec le fil, je tourne. Comme pour un nœud coulant, je vais chercher le fil ici et je sors. Voilà, ça donne une boucle. Alors, je vous montre comme cela. Voilà, vous allez avoir cette boucle. Ensuite, je vais attraper, je maintiens l'anneau ici et je fais juste une maille en l'air. Alors cette maille en l'air, on la fait toujours parce que c'est ce qui nous permet de tourner après, de commencer les premiers points, mais on ne la compte pas celle-là. Et là, on va, mais si je vous dis il faut 6 mailles serrées, bien on va les faire 6 mailles serrées. Donc c'est très facile, hein. On pique dans l'anneau, on récupère le fil à l'intérieur, un jeté, il reste deux boucles sur le crochet, bien on passe le fil dans les deux boucles. Et là, vous avez votre première maille serrée. Voilà, ce point, le premier point qu'on a fait ne se voit quasi plus, voilà. Il a juste servi à tourner. Et on continue. Voilà, une deuxième maille serrée, on pique le crochet, pique le crochet à l'intérieur de l'anneau, on ramène le fil vers l'intérieur, il va vous rester deux boucles sur le crochet, on fait un jeté et on le ramène à travers les deux boucles. Voilà, et là, pour compter, c'est très simple, vous mettez votre anneau comme ceci. Et là, les petits V, c'est les points. Alors là, vous avez un point, deux points. Et je continue. Là, je vais en faire 6. C'est le même départ que pour le petit lapin que vous avez vu tout à l'heure. Donc, pareil.
Alors je recommence, j'en suis mon troisième. Je pique le crochet dans l'anneau, je vais chercher le fil avec mon crochet, je le ramène à l'intérieur par dedans, je refais un jeté, je passe à travers les deux dernières boucles. De nouveau, je pique le crochet, je ramène le fil, j'ai deux boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je le ramène à travers les deux boucles. Voilà, et là je vais vous montrer, et là je vais compter, 1, 2, 3, 4, 5, ah il me manque un point, 5 et le dernier, je pique, je récupère le fil, il me reste 2 boucles sur le crochet, un jeté, et je ramène le tout dans les 2 boucles, voilà, et là je vais juste tirer ce fil ici. Alors pas trop trop au début quand on est débutante parce qu'après ça semble très compliqué d'aller récupérer le premier point là qui est ici. Alors là aussi, amis débutantes, alors un conseil très très important, quand vous commencez tout travail en rond, prenez l'habitude, là j'ai oublié, voilà, de mettre un marque-point comme ceci à votre première maille. Comme ça, ça vous évitera les confusions parce que quand on arrive ici, aïe, je me trompe de fil. Ben, quand on arrive ici, qu'il faut assembler la première maille avec la dernière. Si votre laine peluche un peu, des fois on a un peu de mal à savoir où est la première maille. Donc, admettons, dès que vous avez fait le premier. Mais vous avez pensé à mettre un... Aïe, pardon. Attendez, j'ai tout qui s'en mêle. Voilà, vous avez pensé à mettre un marque maille, marque point. Voilà. Donc là, je l'enlève. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle une maille coulée. Voilà, maille coulée, maille glissée. Alors là, c'est très simple de nouveau. On va aller piquer le crochet dans la première maille. Alors la maille, je vous rappelle que vous devez avoir 2 brins. Vous ne me prenez pas qu'un brin. Vous faites un jeté et vous allez passer le fil dans la première maille ici et dans la dernière. Et vous avez fait votre maille coulée. Je vous remontre. Là, c'est pour un travail en rond. Voilà, alors je pique dans la première maille. Voilà, je prends les 2 brins en même temps. Là, il y a 2 brins, vous allez le voir, je vais vous les montrer. Voilà, et là, il y a celui de la fin. Ça, c'est le début, ça, c'est la fin. On fait un jeté, on passe dans la première et on repasse dans la deuxième. Et là, votre maille. Voilà, coulé et fini. Une fois que ceci est fait, là, pour tout travail en rond, là maintenant, vous pouvez finir de serrer votre cercle. Et voilà, là il est totalement fermé, mais ça ne... Comme nous avons fini d'assembler les 2 morceaux, les 2 côtés, ça n'a pas posé de problème. Voilà pour ces premiers points. Ça, c'était l'exemple de... l'anneau magique avec un début de maille serrée. Alors maintenant, je vais vous montrer les mailles en l'air. Et on va faire un ou deux rangs de mailles serrées, bride simple, bride longue, double bride, triple bride, pardon. Allez, c'est parti. Alors, je fais mon nœud coulant pour commencer. Et je tire. Je serre. Alors là aussi, on ne serre pas comme des... On ne serre pas trop trop. Hein. On serre, voilà, raisonnablement. On laisse quand même un peu de jeu. Voilà, pour quand même on puisse être à l'aise. Un jeté.
Alors, principe des moyennes, il est super simple. On commence tout par ça. En général, c'est un jeté. Et vous allez passer le fil dans cette boucle ici. Voilà, un jeté dans la deuxième. Et après, vous pouvez tenir comme moi entre votre pouce et votre majeur derrière. Un jeté. Et vous passez dans la boucle, un jeté, dans la suivante, un jeté. Et au fur et à mesure que vous en ferez, entraînez-vous. Pour celles qui vraiment en ont jamais fait, faites-en quelques-unes comme ça des longueurs de mailles en l'air parce que ça va vous permettre au fur et à mesure, votre point va devenir de plus en plus régulier et vous allez devenir de plus en plus rapide. Alors je remonte doucement, un jeté, on passe à travers la boucle, un jeté, on passe à travers la boucle, un jeté, à travers. Voilà, c'est toujours pareil, on avance les doigts pour tenir et voilà. Donc là, je vais vous montrer des mailles serrées. Alors toujours pareil, on part du principe que là c'est un échantillon, mais admettons que ce soit ce que je vous demande de faire comme chaîne de démarrage, comme maille en l'air de démarrage. Donc on va faire une maille en l'air et là je vais enchaîner sur des mailles serrées. Donc le prochain point ici, je vais aller piquer mon crochet, ramener le fil dedans par en dessous, faire un jeté et ramener dans les deux. Ça, c'est une maille serrée. Alors, une petite précision. Je vois beaucoup de filles faire, de filles, de dames. Aïe, je vois pas la caméra. Elles vont me piquer le point sur le troisième brin en haut. Là, vous voyez? Mais je ne vous recommande pas de faire ça parce que regardez comme ça étire la maille. Ça va vous faire un trou et c'est pas bon du tout. Donc, moi, ce que je vous conseille, vous avez une bride ici. Une ici de 2 et 3. Vous en avez 3 dans chaque point ici. Sauf que la troisième, elle est cachée là en dessous. 1, 2, 3. Donc, vous allez toujours prendre... Toujours prendre... Voilà, là c'est pris la maille en bas, la dernière maille en bas, ici. Un jeté, vous ramenez à travers elle, un jeté dans les deux dernières boucles. De nouveau. Alors commencez, voilà, pour pas qu'il y ait de confusion, parce que souvent, on se trompe quand on est débutante, parce que voilà. Regardez toujours bien, checkez bien tout le temps ce que vous faites. Alors... Comme on peut voir ici, là, le point, il est pris. Donc, ben, pas de doute, c'est bien le deuxième, le suivant qu'il faut prendre. Et comme je vous ai dit, un seul brin vers le bas, pas en haut. Et là, il m'en reste deux, c'est bon. Un jeté, je fais passer le fil entre la boucle, un jeté dans les deux dernières. Voilà. Et on va continuer comme cela. Jusqu'à finir la rangée. Et là, je vous laisse regarder. Je vais aller doucement pour que tout le monde voit bien. Alors ça, c'est l'endroit de des mailles en l'air. Voilà, l'endroit, il se présente toujours comme ceci. Hein. Si vous êtes avec ce dessin-là, c'est pas bon. Retournez votre travail. Vous voyez, je m'aide souvent de mes doigts. N'hésitez pas à vous aider. Si cette partie vous gêne, voilà, replacez-la bien. Vous voyez, je suis tout en train de tenir le travail. Pardon.
Et on continue tranquillement. Voilà, je viens de finir mon round de mailles serrées. À présent, je vais vous montrer comment on fait une bride simple. Alors, la bride simple est très 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 utilisée partout et pour beaucoup de choses. Alors, c'est très simple. Vous arrivez ici et vous allez faire 3 mailles en l'air. Dans tous les cas, si vous deviez commencer un vêtement par une bride simple, ça sera toujours par 3 mailles en l'air, vous verrez. Donc, je tourne mon travail, j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je vais faire un jeté. Voilà, et ces 3 mailles en l'air ici remplacent une bride, ma bride de départ. Et là, je vais aller piquer ici. Vous voyez ? Voilà, là j'ai les deux brins. Donc c'est mon point. Donc je vais piquer au milieu. Voilà, un jeté et je vais faire ma première bride. Alors, pour faire une bride, c'est simple, rien de plus facile. Vous faites un jeté, vous allez au point suivant, vous piquez, vous ramenez le fil vers vous et là, vous avez 3 fils sur votre crochet. Alors, la bride simple, la façon la plus simple de la faire, c'est comme cela. Un jeté, vous allez passer ce fil entre les deux premières boucles. Il vous en reste 2. Un jeté dans les 2 dernières. Voilà, vous avez fait votre première bride simple. Et on va continuer comme cela tout le rang. Et à la fin du rang, je vous montrerai la façon de faire une bride simple, c'est-à-dire avec un seul jeté. Mais beaucoup, la bride aura une forme beaucoup plus longue. Ça, c'est une autre astuce que je vais vous apprendre. Donc, on continue. On fait un jeté, pardon, un jeté. On pique. On ramène le fil vers soi. On a 3 fils sur le crochet. Un jeté, je ramène dans les 2 premières boucles. Il en reste 2. Un jeté dans les 2 dernières. Voilà, j'ai 1, 2 et 3 brides. De nouveau, un jeté, je pique le crochet, je ramène le fil vers moi, j'ai 3 brins sur le crochet, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté et dans les 2 dernières. Et maintenant, je vous laisse regarder et mémoriser les gestes afin que vous puissiez les reproduire facilement. Thank you.
Et voilà, j'ai terminé mon rang. Je pique dans la dernière maille. Je fais bien attention de prendre les deux brins ici et pas un seul. Voilà, j'ai bien mes deux brins. Et je fais ma dernière bride. Voilà. Votre premier rang de brides. Premier rang de maille serrée, deuxième rang de brides simples. Le troisième rang que je vais vous montrer, ça va être un rang de brides simples mais allongé. On s'en sert beaucoup quand on fait des accessoires, des capitas, des capes, des ponchos, des vêtements, vous verrez. Donc, toujours même principe, on démarre le rang avec trois mailles en l'air qui correspond à notre première bride. Voilà, c'est l'équivalent d'une bride. Toujours pareil, un jeté. On va piquer notre crochet dans le point. On va ramener le fil vers soi et on va avoir la même configuration que tout à l'heure, trois brides sur le crochet. Mais nous allons faire un jeté et passer uniquement ce jeté dans la première bride d'ici. Voilà, et on se retrouve de nouveau avec trois. Un jeté de nouveau et on va le passer dans les deux boucles d'ici, dans les deux boucles. Et un jeté dans les deux dernières. Et vous allez voir, ça va nous faire des mailles très allongées. De nouveau, un jeté, je pique le crochet dans le point, je ramène le fil vers moi, j'ai trois boucles sur le crochet, je fais un jeté, je ramène dans la première boucle, il m'en reste de nouveau trois sur le crochet, un jeté dans les deux boucles, et deux deuxièmes boucles, un jeté dans les deux dernières. Et de nouveau, pareil, un jeté et je passe dans la première boucle, un jeté dans les deuxièmes et un jeté dans les deux dernières. Facile, hein, n'est-ce pas? De nouveau, ah, je me suis trompée, je recommence. Dans la première, dans les deuxièmes et dans les troisièmes. Et vous allez voir, il y a une petite différence qui se voit déjà. Regardez, dans la hauteur, je ne sais pas si vous voyez. Bon, alors là, il ne faut pas tenir compte, bien sûr, du rang de maille serrée qui est ici. Mais là, ces brides sont plus hautes. On le voit d'ailleurs. Voilà, je passe dans la première, dans la deuxième et dans les troisièmes. Une, deux, trois. Et on peut dire donc que ces brides se font en trois saccades. Alors que la toute simple, la plus basique, se fait qu'en deux. En deux saccades. Donc là, c'est pareil. De nouveau, trois boucles. Je fais un jeté, je passe dans la première, un jeté dans les deux deuxièmes, dans la deuxième et un jeté dans les deux dernières. De nouveau un jeté, je pique le crochet dans la boucle, j'ai trois boucles sur mon crochet, un jeté dans la première, un jeté dans les deuxièmes, un jeté dans les troisièmes. Et je vais continuer comme cela jusqu'à la fin. Et là, j'arrive à la dernière maille. Et là, voilà, je vais vous montrer aussi qu'il faut piquer. Donc là, vous avez vos trois mailles en l'air.
Et là, vous allez piquer ici à la dernière. Voilà, là, il y a deux brins en haut, un brin en bas. Bien, on va piquer ici. Et on va faire la bride simple allongée. Je passe dans le premier point, dans les deuxièmes et dans les deux derniers. Voilà. Et là, vous avez donc une rangée de mailles serrées, une rangée de brides simples, une rangée de brides allongées. Maintenant, je vous montre la double bride simple. 1, 2, 3, on va faire 4 mailles en l'air. Vous allez tourner votre travail. On va faire 1, 2 jetés. On va passer au point suivant. Et là, on ramène le fil vers soi et nous avons 4 mailles sur le crochet. 4 boucles, pardon, sur le crochet. Donc, on fait un jeté, on passe dans les deux premières. Il en reste 3, un jeté dans les deuxièmes. Il en reste 2, un jeté dans les deux dernières. Voilà, vous avez vos deux brides doubles. De nouveau, on fait 2 jetés, on pique le crochet dans la maille, on ramène le fil vers soi, vous avez 4 boucles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez dans les deux premières, un jeté dans les suivantes, un jeté dans les deux dernières. Et là aussi, comme vous pouvez voir, c'est en 3 saccades. Ce qui change, c'est le nombre de jetés. Voilà, on fait les 2 jetés, on pique le crochet, on ramène le fil vers soi. De nouveau, un jeté dans les deux premières mailles, un jeté dans les deuxièmes boucles, un jeté dans les deux dernières. Et comme ceci jusqu'à la fin. Alors là, j'ai le fil qui s'est délité. Pardon, je recommence. Alors, des fois, le fil accroche. N'hésitez pas, défaites tout et refaites. Hein. Voilà, on arrive presque à la fin. Et le dernier point, toujours pareil, on fait les doubles jetés.
Et là, on va les piquer ici. Ici, là. Vous voyez, 1, 2, 3. Troisième point. On pique dans la maille. Et pareil, on termine par la double bride. Voilà, comme vous voyez, on fait un double jeté au début. Et après, c'est un jeté, on ramène dans les deux boucles, un jeté dans les deux boucles, un jeté dans les deux dernières. Voilà, même principe. Là, voilà, là. La triple bride, mais je ne vous le montre pas parce que c'est le même principe. Hein. Sauf qu'au début, eh bien, on fera 1, 2 et 3 jetés. Voilà, comment je termine mon travail? Alors là, j'ai fini. Admettons, j'ai fini. Je vais faire un jeté, passer le fil dans cette boucle ici. Voilà, je coupe le fil. Et je tire. Et je tire un peu plus fort et je fais un nœud. Voilà. Pour les finitions, nous allons après soit avec un crochet plus fin, soit avec une aiguille, oui, soit avec une aiguille à tricot. Alors moi, je conseille souvent une aiguille à tricot plutôt qu'un crochet, parce que des fois, on fait des bêtises avec le crochet en tirant le fil en essayant de le cacher. Je vais vous montrer. Voilà, là on prend une aiguille à tricot sur l'envers du travail et là on va cacher le fil. On ne coupe jamais à ras le fil, on le cache toujours dans les points à la fin. Voilà, et là je vais vous montrer avec un crochet plus fin. Alors, là j'ai quoi? J'ai un 3,5. C'est trop gros. Ah, c'est beaucoup plus facile avec l'aiguille. Alors là, j'ai pris une 2,5, ça devrait être plus facile. Et là, vous allez passer votre crochet dans les mailles. Et vous allez ramener le fil à l'intérieur des boucles ici. Alors ça, les finitions, c'est un travail de patience. Il ne faut pas vous décourager. C'est important qu'elles soient bien faites. Hein, parce que c'est ce qui va finir votre... la beauté de votre ouvrage. Et là, eh bien, on tire et c'est fini. Vous avez vu deux façons de stopper, une façon de stopper le travail et deux façons de cacher le fil. Et là, vous avez votre endroit de votre échantillon. Alors, comme vous pouvez voir, regardez, je vais vous cacher ça, vous allez mieux voir. Comme vous pouvez voir, il y a une différence entre les brides simples ici, les brides allongées ici et les doubles brides ici. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre finition. Alors, je vais changer le fil pour que vous voyez mieux. Alors, une autre finition pour le tour. Admettons que c'est une petite couverture, admettons. Vous voulez faire une finition ici. Et tout le tour. Alors, de nouveau, je prends le fil. Là, je vais aller passer le fil dans une maille. Alors, moi, je vous conseille de ne pas vous compliquer la vie, de passer le fil et faire un nœud. Voilà, vous allez faire un nœud comme ceci. Vous serrez, vous en faites un deuxième. Et celui-là, nous allons le cacher en faisant les mailles serrées. Donc là, je veux faire une finition. Alors, soit vous prenez le fil ici et vous le coincez et en faisant les mailles serrées, il va être
caché dans les mailles serrées, soit si ça vous stresse, que vous avez peur, vous laissez le fil ici et à la fin vous irez le cacher dessous. Donc, et là, je vais faire, je fais repasser une maille à l'intérieur, je fais une maille en l'air et je vais faire des mailles serrées tout le tour dans chacune, vous voyez là, dans chacun des points de mes brides simples ici. Voilà, la maille serrée, vous savez les faire maintenant. C'est un point qui est beaucoup utilisé, la maille serrée, pour plein de choses. C'est vraiment le point de base par excellence. Ça et la bride simple aussi. Et vous voyez, petit à petit, le tour, voilà. Ça fait une finition beaucoup plus propre. Et moi, je cache le fil en même temps. Alors au début, peut-être vous n'oserez pas ou vous n'arriverez pas à tenir avec votre main gauche, mais il n'y a pas de souci. Après, on prend l'aiguille et on fait passer, on cache le fil quand même. Donc c'est pareil. Voilà, là, c'est ce côté est très facile puisque c'est le haut des points des brides. Voilà. Alors, pour tourner, quand c'est un ouvrage rectangulaire carré comme ça, en coin, alors j'effectue, regardez bien, pour que le carré se voit, sinon ça va arrondir le travail ici. Je fais une maille en l'air, je vais venir repiquer dans le même point ici, et je vais refaire une maille serrée à côté. Et là, regardez. Oh, j'ai un peu trop tiré le travail, ça fait... Voilà. Votre coin est parfait. Et là, je continue. Alors là, il n'y a pas vraiment de règle. C'est à vous de voir. Il faut vraiment que là, vous allez voir quand je vais finir. Il faut vraiment que ce ne soit pas froncé. Voilà, tous ces bords-là, ils demandent un peu d'attention parce qu'il ne faut pas ni qu'il y ait trop de mailles serrées de ce côté. Il faut que le bord soit droit. Donc, il ne faut pas en faire trop, ni trop peu. Ah, j'ai tiré, c'est pas joli. Voilà, vous voyez? Donc, on fait preuve de bon sens. On regarde, on observe. Voilà, et... c'est pareil que tout à l'heure, là je vais en faire deux pour tourner et je vais directement dans le point suivant. Voilà, et le coin se fait tout seul. Ah, là j'ai le fil. Bon, là il rebique un peu parce que j'ai tiré pour vous montrer le coin. Voilà, puis cette laine est manque un petit peu de tenue. Alors, je vais continuer comme cela. Oups, pardon. Ouais, jusqu'au bout. Alors, c'est tout à maille serrée à la fin pour le bord. Voilà, de nouveau j'arrive au dernier point. J'en fais un, j'en refais deux dans le même point et je passe à l'autre coin, à l'autre morceau. Là je vais en faire un autre, un troisième ici.
Voilà. Et là, j'ai terminé. Ouais, je vais en faire un autre ici peut-être. On va regarder comment ça fait. Voilà une finition qui fait soignée. Voilà, j'ai peut-être mis trop de points, ça tire de ce côté, vous voyez? Donc je vais recommencer là parce que c'est pas joli. Il y a trop de points, ça me tire. Vous avez vu, ça a tiré l'écartement là, ça a écarté les brides. Donc voilà, il faut vraiment dans la mesure. Et quand on se trompe, comme je viens de me tromper, n'ayez pas peur de refaire pour vraiment laisser un travail impeccable. Alors là, c'est mieux, ça sert moins. Bon, le mal est fait, j'ai tiré de trop, un petit peu trop les mailles. Bon, tant pis. Alors, une dernière. Et là, je vais venir faire une maille coulée dans la première maille serrée du départ. Oups, là, je me suis trompée. Voilà, il faut bien regarder. Voilà, et je passe le fil ici. Et après, pour terminer, je refais une boucle, je repasse dans la maille. Je coupe mon fil, je tire. Et c'est fini. Bon, alors là, j'ai deux laines qui ne s'accordent pas du tout. Bon, c'est un échantillon, c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, et comme tout à l'heure, même principe, on va venir cacher sur l'envers le fil de la fin. Une fois que c'est fait, vous pouvez couper. Et bien voilà. Voilà, j'espère que tout est assez clair. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Donnez un pouce bleu, ça m'encouragera. Abonnez-vous, partagez. Et le prochain tutoriel, je vous ferai ce très joli amigurumi, ce joli lapinou. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.